La controverse autour des ventes d'armes à feu aux États-Unis a pris hier une tournure émotionnelle. C'est en larmes que Barack Obama a dévoilé une série de mesures visant à renforcer les contrôles. Déterminé, le chef de la Maison-Blanche entend bien passer outre l'opposition du Congrès. Démocrates et républicains n'ont pas tardé à réagir. Les détails avec Océane Nicole. Le discours était ferme et les mots choisis. L'urgence est absolue sur les armes à feu aux États-Unis. Ce sont les termes du président Obama qui dévoile une série de mesures pour mieux encadrer et contrôler la vente de ces armes. Quiconque travaille dans la vente d'armes à feu doit avoir une licence et procéder à des vérifications d'antécédents ou bien sera soumis à des poursuites pénales. Nous allons obliger les vendeurs d'armes à signaler les pertes et les vols d'armes dans les meilleurs délais. Des mesures symboliques, puisque pour être appliquées, ces mesures doivent passer entre les mains du Congrès. Un Congrès qui refuse pour le moment tout amendement. Et les réactions politiques ont été immédiates. Côté républicain, les critiques fusent et le milliardaire Donald Trump ne se prive pas. Il veut juste signer des décrets tout le temps et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas juste et ils ne vont pas accepter ce deuxième amendement. Ça ne va pas passer, c'est sûr. Pour Jeb Bush, des mesures qui ne peuvent tout simplement pas améliorer la sécurité dans le pays. Observer de loin les magasins de vente d'armes ne va pas résoudre le problème. Le président n'a pas le pouvoir de le faire. S'il y a un problème avec les armes à feu, c'est aux États d'y répondre directement. C'est à eux de choisir quelle loi adapter pour les armes. Je pense que c'est la meilleure solution. Côté démocrate, en revanche, soutien quasi unanime au président. Je suis très fière de ce que le président a dit et je suis heureuse car ce qu'il a dit, je l'avais préconisé il y a des mois déjà pendant la campagne. Il faut fermer les magasins d'armes, les sites de vente en ligne, fermer toutes les opportunités que les gens utilisent pour se procurer des armes. Cela comprend la fin de l'immunité des fabricants et des vendeurs d'armes. Les armes, un sujet sensible aux États-Unis qui s'est même imposé dans la campagne pour les élections présidentielles du 8 novembre prochain. Chaque année, près de 30 000 personnes sont tuées par armes à feu dans le pays.